Allez, on avait parlé de la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous levez. Bien sûr, je vous pose logiquement l'autre question. Quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir? Avant de dormir, vous pensez à quoi? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Stardust nous rejoint. Stardust avait des problèmes internet, mais que se passe-t-il, Stardust? Allez, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Nous ne bougeons pas, en tout cas moi, même si le voisin, il est avec la perceuse et l'église fait ding-dong, je suis là. Cosmina qui nous dit... Alors, mais je suis aussi fatigué que je ne réalise pas quand je me suis endormi. Ah donc Cosmina, quand elle s'endort, ça fait POUM! Pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir. Paf! Elle s'endort comme ça. Alors Jane qui nous dit, je pense à mon travail. Ouais, faites attention Jane, Jane Caroline, on dit je pense à, hein, préposition, je pense à mon travail. Johanna, je pense aux responsabilités ou bien aux choses importantes à faire le lendemain. Eh bien voilà, c'est une personne très très sérieuse, Johanna. Maria qui nous dit, je pense à quoi je mangerai demain matin. Et oui! Et ça, c'est important. Maria, il faut savoir ce qu'on va manger. C'est important. Ange Gabriel qui dit, je pense à l'avenir. Ensuite, Aziz qui dit, avant de dormir, je pense à quelle heure de demain est de présenter. Est-ce que c'est pour vous réveiller peut-être, Aziz? Mourad, je pense à l'argent et je veux être comme un milliardaire. Mais oui, Mourad, il faut trouver des solutions. Si c'est votre objectif, Mourad, c'est possible. Il faut vous motiver et si vous vous dites « je vais réussir », ça va marcher. Chériline. Alors Chériline, quand elle s'endort, elle pense à ses souris. Et quand elle se lève, elle pense à ses souris. Que se passe-t-il, Chériline? Il faut trouver cette solution parce que sinon, ça va être un petit peu stressant. Vous, Slat, Vincent en haut, j'ai voulu dire que je clique sur le like avant de participer à notre cours. Mais c'est gentil, vous, Slat. Merci beaucoup, j'avais compris. Fatima, je n'ai pas bu de champagne aujourd'hui, quel dommage. Ah oui, c'est ça, avant de vous endormir. Mais il n'est jamais trop tard, Fatima. Hop, vous vous réveillez, pouf, une petite coupe avant de s'endormir. Après, on fait des beaux rêves garantis. Olga, c'est la même chose, que je remercie Dieu pour cette extraordinaire journée. Stardust, je pense aux gens que j'aime et qui sont proches de moi. Très bien. Hillary qui dit, ah oui, je dois me lever à quelle heure demain? Très bien. Mais c'est pas tous les jours la même chose, Hillary? Souvent, c'est la routine. Souvent, c'est tout le temps la même heure. Désiré, je pense aux êtres qui me tiennent à cœur et ce que j'ai accompli pendant la journée. Ben, ça, c'est bien. Alberto, je pense que cette journée a été tout simplement merveilleuse. Vous, Slat, qui dit, je pense à ce que j'ai appris ce jour-là. Ben, écoutez, c'est très, très bien. Alors, Maria, qui est très, très en forme. Tranquille, Maria, tranquille. Riena, je pense à l'histoire que j'écoute. Annabelle, ce piano instrumental et l'odeur de la lavande. J'ai oublié tous ceux... Ah, tous ceux qui m'ont fait mal. Ah bah oui, 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 il faut oublier Annabelle. Il ne faut pas s'endormir avec des idées noires.
oublier toutes les choses terribles de la journée. Lynn, la dernière chose à laquelle je pense est de ne plus penser. Pouf ! On débranche, on arrête et on dort. Renato, je me laisse quitter par mes inquiétudes. Très bien. Chérie-Lynn, plus précisément, je pense aux mécanismes potentiels pour expliquer ce qui se passe avec mes souris. Bah oui, mais bon, ça marche pas pour l'instant. Luciana, je fais mes prières et je mets l'alarme. Parfois, je t'écoute. Ah bah, il faut dormir avec ça. Ça peut faire dormir, c'est possible. Mélissa, je pense au mouton numéro 100. À 100. Le 101e mouton, vous ne le voyez pas. Mélissa Madrid, elle voit pas le 101e mouton. Il n'existe pas. Johanna qui dit, je suis Capricorne authentique. C'est bien. Alors, Yesero, bonjour, comment ça va? Je pense aux choses que je dois faire le lendemain. Yann Arte, je pense que je vais faire un beau rêve. Ben oui, bien sûr. Victoria Possé, je pense que je me suis à nouveau endormie sur le canapé et que je dois aller au lit. Alors Victoria Possé, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Je me suis endormie sur le canapé et je me suis réveillée à minuit. Et impossible de me rendormir. Donc j'ai préparé le cours pendant la nuit, parce que j'ai pas pu dormir du tout. Mais oui, le canapé, c'est très très dangereux, le canapé. Alors, les risques du métier. C'est avec Jacques Brel. Jacques Brel est, bien sûr, le chanteur que vous connaissez peut-être tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi un interprète, c'est aussi un acteur. Il a fait des films qui ont été assez sympathique quand même, il y a des choses qui sont vraiment bonnes, des choses un petit peu plus légères. Ce film-là est vraiment très bon à mon avis, et je vous invite à le regarder si vous avez la possibilité. Nous continuons avec la politesse et les bonnes manières. Et la première chose, allez, une petite seconde, je vais chercher, bien évidemment, ma page. Et la voici. Quand vous faites la queue, ne doublez pas les autres. Quand vous faites la queue, ne doublez pas les autres. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Allez, on attaque directement les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est une ou la queue, et on l'écrit Q-U-E-U-E. Ensuite, doubler, verbe régulier du premier groupe, et ici, c'est bien sûr l'impératif, D-O-U-B-E-B-L-E-Z. Et puis finalement, les autres, ici, ça doit être au pluriel, et vous l'écrivez A-U-T-R-E-S. Mettez bien le pluriel parce que vous voyez qu'il y a l'article les autres. Autres doit automatiquement être au pluriel. Deuxième chose, concernant la politesse et les bonnes manières en France, bien sûr, je le répète, ça n'est pas universel, mais c'est juste en France. Deuxième chose. Si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, informez
l'autre personne. Si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, informez l'autre personne. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Pour l'instant, c'est très très bien. Regardons ensemble la première chose. Pouvez, qui doit encore une fois être à la deuxième personne du pluriel. Pouvez, P-O-U-V-E-Z. Ensuite, informer, c'est toujours la même chose. C'est de l'impératif. C'est toujours pour la deuxième personne du pluriel. I-N-F-O-R-M-E-Z. Et puis, personne. Bon, ben normalement, il n'y a pas de problème. Vous avez très bien écrit P-E-R-S-O-N-N-E. On continue avec la troisième chose concernant la politesse et les bonnes manières. Évitez de parler de sujets délicats ou très personnels avec des gens que vous connaissez peu. Évitez de parler de sujets délicats ou très personnels avec des gens que vous connaissez peu. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Alberto nous rejoint. Alberto Bettencourt. Alberto et les autres personnes qui nous rejoignent, n'oubliez jamais, jamais, jamais de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Allez, nous regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est un adjectif. C'est l'adjectif délicat. L'adjectif délicat doit être ici au masculin pluriel. Le mot sujet, c'est un mot masculin, un sujet. Ici, il est au pluriel, vous le voyez avec le S à la fin. Donc, c'est le masculin pluriel. D-E accent aigu, L-I-C-A-T-S. Même chose pour personnel. Personnel, c'est le deuxième adjectif qui est lié toujours au mot sujet. Et donc, personnel doit être au masculin pluriel. P-E-R-S-O-N-N-E-L-S. Et puis finalement, le verbe connaître qui est, eh bien, conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous connaissez, c'est O-N-N-A. I-S-S-E-Z. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant la politesse et les bonnes manières françaises. Évitez de faire du bruit le soir si vous habitez en appartement. Évitez de faire du bruit le soir si vous habitez en appartement. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent.
Alors, je regarde. Oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. La première chose, c'est un substantif. Et c'est un substantif masculin, le bruit, un bruit. D'accord ? Luciana, oui, c'est pour vos voisins, les spécialistes de la perceuse. Alors, substantif, un bruit, le bruit. Et donc ici, bien sûr, quand on le combine avec la préposition « de », ça se transforme en « du bruit ». Bruit, on l'écrit « b-r-u-i-t ». Ensuite, eh bien, c'est le verbe « habiter ». Le verbe « habiter », verbe extrêmement régulier. Vous l'écrivez ici à la deuxième personne du pluriel « vous », H-A-B-I-T-E-Z. Et puis finalement, appartement, faites attention, en français, il y a deux P, A-P-P-A-R-T-E-M-E-N-T. Allez, voilà, on passe à la cinquième. Je vois que J. Vincent s'en va. Au revoir, J. Vincent, et à bientôt, à la semaine prochaine. Regardons la cinquième chose concernant la politesse et les bonnes manières. Évitez de téléphoner dans les lieux publics ou faites-le de façon discrète. Évitez de téléphoner dans les lieux publics ou faites-le de façon discrète. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est encore une fois, public. Hein, public, on l'aime bien, spécialement Ice Cubes. Public ici, c'est au masculin, et c'est au masculin pluriel. N'oubliez pas le S, parce que vous voyez que c'est lié au mot lieu. Le mot lieu, oui, c'est masculin. Mais, regardez bien, c'est pluriel. Ça veut dire que notre adjectif public doit être au masculin, forme basique, IC, plus le pluriel avec le S, P-U-B-L-I-C-S. Ensuite, le verbe faire. Le verbe faire, qui est bien sûr ici, à l'impératif pour la deuxième personne du pluriel. Souvenez-vous, faites. F-A-I-T-E-S, faites. Et puis, souvenez-vous de la règle grammaticale, hein. Faites-le, le pronom, il va toujours arriver après, quand c'est à l'impératif. Fais-le, faisons-le, faites-le. D'accord ? Le pronom, il arrivera toujours après. Et puis finalement, discrète. Discrète, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui est lié au mot façon. Le mot façon, c'est un mot féminin, une façon, la façon. Ça veut dire que notre adjectif discret à la base doit être au féminin discrète. Vous l'écrivez D-I-S-C-R-E, accent grave T-E. Allez, merci beaucoup. Et Luciana qui dit « Je pense que mes voisins doivent faire un cours de politesse ». Eh bien oui, faites attention, Max Z, est-ce que public est public au féminin? Oui, en français, l'adjectif public au masculin, c'est-à-dire la forme basique, vous l'écrivez P-U-B-L-I-C. Et la forme féminine sera P-U-B-L-I-Q-U-E. Voilà. We'll be right back.
Allez, on y va avec le futur simple. Le futur simple n'existe pas, bien sûr. Le futur simple. And so in that case, we'll continue with the list that we have of the verbs ending with ir from the third group. Okay, so future simple, and I'm expecting you to give me the first person je for the verb sortir. Futur simple, s'il vous plaît, write the full thing. Alors, oui, I'm looking at your form, so it's quite good in fact. So let's agree that in that case, it's quite simple. You just need to put back the infinitive and after that, you just add the ending AI for je. So, je sortirai. Je sortirai. So let's look at the second one. Second one, remember, it's the verb servir. Can you give me, please, the tu form of servir for the futur simple, s'il vous plaît? Alors, this one is for Victoria Jacques. And Victoria Jacques, we know that she's not a giraffe. Hein? So basically, she needs to sleep a lot. But it's not because it's the morning for you that you are entitled, Victoria Jacques, to make such a big mistake. Oh là 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 là, ça n'est pas raisonnable. So of course, the ending will be AS for tu. And not AI like Victoria Jacques try to put, of course, and she thought that I didn't see it, but of course I saw it. So AS for tu, and then, well, you just put the infinitive, you put back the ending after, tu serviras. So the final S is not pronounced, hein? We agree? So tu serviras would be, and Gloria, it's the same. What's happening, Gloria? Gloria is giving us, tu servirais. Tu servirais, Gloria, it's good if it's the conditionnel présent. Remember, je servirai, AIS, tu servirais, AIS. But in that case, it's the futur simple. That was the exercise. Numéro 3, s'il vous plaît. The verb is partir. Can you give me, please, the L form of partir. Futur simple, s'il vous plaît. Alors, je regarde, I'm looking at your forms and it's really good in fact. Hein? So it's exactly the same thing, I mean, for this type of verbs, ir, in fact, it's not really tricky. We'll see that we have one exception that is coming, of course, but so far, so good. So you put back the infinitive, partir, you just put the ending, and in that case, the ending for il, elle, on, third person of the singular, it's a, d'accord? You just put them together, il, elle, partira. Victoria Jacques, she's so traumatized, she's putting the question mark now after, because she's afraid that I will press on the button, this one.
Non, it was good. It was really good. Thank you very much. Numéro 4, s'il vous plaît. Alors, numéro 4, dormir. Can you give me the new form for dormir? Merci. Alors, let's have a look at your forms. And it's quite good, in fact. Same thing here. It's not really tricky. You just put back the infinitive, dormir. You add the ending, O-N-S. Nous dormirons. Well, this is something that clearly les girafes don't use that much. Remember, 5 minutes minimum, 2 heures maximum. Who wants to be a giraffe? Nobody. Allez, let's have a look at numéro 5. Numéro 5, let me tell you in advance, it is a tricky one. The verb courir. Courir, and I'm expecting the il form. Be careful, it is a tricky one. Voilà, I told you that it's a tricky one. It is a tricky one because this verb, in fact, won't respect the rule. Why? Because we need to have some exceptions in French to always confirm the rule. So basically, the way it will go, and that's the reason why I've been putting that in black, just to make it clear. So you will have the double R. So ils courront. And it's quite interesting because basically somehow you have, if you really want to do it properly, and this is the point, if you really want to do it properly, you have to somehow pronounce the double R. Cours first and then rond. Ils courront. So remember that it will go for the whole thing. Je courrai, tu courras, il courra, nous courrons, vous courrez, ils courront. In many situations, people will use the near future, this futur proche. Je vais courir, tu vas courir, because it's more simple to construct. But yet, if you really want to make the futur simple, remember that courir, it's a tricky one, because it will not behave like the others. Keep that in mind, and then, well, you use it or not, it's up to you. But still, if you hear it, you know that je courrai, it will be the future. Tu courras, il courra, nous courrons, vous courrez, ils, elles courront. Voilà, merci beaucoup. Incredible movie from the 80s, La Boom, La Boom, it's my youth, it's my childhood, it's incredible. Oui, c'était formidable. I'm not really sure that you should watch it because it's so 80s, but if you really want to see how the 80s were in France, well, I mean, watch this La Boom, the first one, hein? This is the first one, not the second. Allez, ça continue avec « À vous la parole » et on y va. Une question, la question suivante, peut-on justement oublier ses racines? Peut-on oublier ses racines, oui ou non, et pourquoi? Allez-y. «
Alors Renato qui dit aujourd'hui mon français est très mauvais. Pas de stress Renato, pas de stress. Allez-y, allez-y, participez. Ce qui est important, c'est d'écrire, c'est d'écrire, c'est d'écrire. C'est comme ça que vous allez l'améliorer. C'est pas grave si vous faites des erreurs, ne vous stressez pas. Alors, Victoria Jacques, il ne faut pas les oublier, les racines. Mais pourquoi vous commencez avec un oui ? Ah d'accord, oui, on peut les oublier, mais il ne faut pas les oublier. Ça y est, excusez-moi, c'est moi, je suis un petit peu lent aujourd'hui. J. Vincent, nous pouvons oublier notre passé et notre héritage, mais il n'est pas bon de l'oublier. Yesero, oui, c'est possible si on habite dans un pays lointain et on ne parle plus avec les gens qui sont originaires de votre pays natal. Ice Cubes, peut-être, on ne sait pas comment fonctionne la mémoire ou notre cerveau à 100%. Johanna qui dit « Non, pas du tout. Moi, je me mets à pleurer quand j'entends l'hymne de mon pays natal ou quand l'équipe de football national. Je suis patriote et je le resterai toujours. Ben, » c'est bien ça, ça c'est bien. Ensuite, Aïcha « Non, jamais. Je suis très fier de mes racines. » Et ça, c'est bien. Vouslat « Non !» On ne peut pas oublier ses racines car c'est écrit dans nos gènes et notre ADN. Luciana, non. Même quand on ne parle pas la langue maternelle, loin de son pays, ses racines font part de sa vie. Omar qui nous dit « Je ne pourrais pas oublier mes racines, ce serait comme oublier ce que je suis ». Comme être humain, eh ben oui, c'est inacceptable pour moi. Ange Gabriel, ça dépend de la personne, mais pour moi c'est impossible, est-ce que c'est ça? Stardust, c'est une question difficile. Cela dépend toujours des souvenirs que vous associez à l'enfance. J'ai créé mes propres racines et je ne les oublierai pas. Ah ben c'est ça la question, c'est comment définir les racines? Si vous avez créé vos racines, vous ne les oubliez pas. Dans ce cas-là, vous répondez très bien à la question. Yossi, on peut oublier, on peut refuser ses racines. D'autre part, on ne le peut pas, ça dépend. Kim, non, parce que nos racines font ce que nous sommes dans une certaine mesure. Mélissa, oui, parce que les tendances sont plus fortes et on ne peut pas y résister. Athée, je crois qu'on doit essayer de ne pas oublier nos racines, mais pour les enfants des immigrés, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je pose la question. Ça n'est pas une question avec une réponse directe. C'est bon, c'est bien d'en discuter. Ah, Asmigini, on peut oublier avec Alzheimer, ben oui. Fatima, non, Freud a dit que tout le monde a un passé qui ne passe pas. Fatima qui aime bien Freud, d'accord, très bien. Quelle est votre position concernant Lacan? Annabelle Nouvelle, à moins que quelque chose doive être déraciné, oui, à cause d'essayer de faire plaisir. Ben oui, mais ça c'est la question. Est-ce qu'on doit faire plaisir en oubliant nos racines? Drunk Vigo, je me souviendrai toujours de mes racines, c'est le secret de mon succès. Victoria Possé, je pense que c'est difficile. Cherylyn, oui, si les cultures et les traditions des ancêtres ne sont pas transmises aux générations suivantes. Eh ben oui, la transmission, c'est fondamental. Notamment après avoir migré et s'être intégré dans les sociétés d'autres pays. Cosmina, non, ce n'est pas possible d'oublier vos racines. J'ai un bon ami, ancien collègue d'école, qui travaillait depuis longtemps dans un pays lointain. Et quand il ne peut pas venir en Roumanie pour nos fêtes, il pleure, hein, parce que pleuvoir c'est plus général, et il est déprimé. Et après 20 ans, il rêve seulement dans notre langue maternelle. Grace qui nous dit « Je pense que non, on ne peut pas oublier nos racines ». Merci beaucoup.
J'ai ri pendant facilement 2 minutes sans interruption. Allez, on y va avec l'histoire de France. L'histoire de France, et on commence avec la première chose. 1902. Que s'est-il passé en 1902? Attention. La journée de travail est ramenée à 10h30. La journée de travail est ramenée à 10h30. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons cette première chose. Donc, 1902, la journée. Donc, ça, vous l'avez bien écrit. Souvenez-vous hein, que journée, on écrit J-O-U-R-N-E, accent aigu, E. Travail, c'est masculin. Vous l'avez bien écrit. T-R-A-V-A-I-L, pas de problème. Est ramener. Ramener, ici, vous devez marquer à la fin de ramener. Le féminin, n'oubliez pas, puisqu'on parle de la journée, est ramené avec le E pour le féminin à la fin. R-A-M-E-N-E, accent aigu, E pour le féminin. Et puis 10h30, ça n'était pas un problème. On continue avec le numéro 2. Numéro 2, eh bien voici 1919. Loi portant la journée de travail à 8 heures sans diminution de salaire. Loi portant la journée de travail à 8 heures sans diminution de salaire. Écrivez, s'il vous plaît, la phrase. Allez, si on regarde ici, loi, bah écoutez, c'est féminin pour votre information. Une loi, la loi, on l'écrit L-O-I. Ensuite, portant, bah c'est le verbe porter que vous utilisez ici pour le participe présent P-O-R-T-A-N-T. Pas de problème. La journée, vous l'avez bien écrit, je regarde en même temps. Travail aussi, on a déjà eu. 8 heures, je l'ai écrit comme ça, en toutes lettres H-U-I-T. Et puis diminution, mot féminin bien sûr, une diminution, la diminution, D-I-M-I-N-U-T-I-O-N. Et puis salaire masculin, le salaire, un salaire, S-A-L-A-I-R-E. Voilà, loi portant la journée de travail à 8 heures sans diminution de salaire. Et c'était en 1919, hein, pensez ça, c'est vraiment incroyable. 1932.
loi sur la généralisation des allocations familiales. Loi sur la généralisation des allocations familiales. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Encore une fois, ça commence avec loi. Loi, je le répète, c'est féminin. Une loi, la loi, L-O-I-E. L-O-I. Généralisation, substantif, féminin. Une généralisation, la généralisation. Faites juste attention, c'est un S hein, en français. Généralisa-za-za. G-E accent aigu, N-E accent aigu, R-A-L-I-S-A. T-I-O-N. Et puis ensuite, allocation. Allocation, une allocation, c'est féminin. Ici, c'est au pluriel, avec le S à la fin. A-L-L-O-C-A-T-I-O-N-S. Allocation. Et finalement, puisque allocation, c'est un mot féminin et c'est au pluriel, notre adjectif familial doit être au féminin. Pluriel familial, F-A-M-I-L-I-A-L-E-S. D'accord ? Donc le féminin pluriel pour familial. Allez, on continue avec la quatrième chose. Loi sur l'instauration des congés payés. Loi sur l'instauration des congés payés. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde. Oui, c'est très très bien. Vous écrivez magnifiquement bien, je dois dire. Bravo, bravo. Alors, encore une fois, c'est loi. Hein. Donc là, maintenant, c'est clair pour tout le monde. C'est féminin. Une loi, la loi, L-O-I, ça c'est sûr. Instauration, substantif, encore une fois, c'est féminin. I-N-S-T-A-U-R. A-T-I-O-N. Instauration, le verbe c'est instaurer quelque chose. Congé. Congé, c'est ici masculin. C'est masculin pluriel. Hein. Les congés. Congé, c'est un mot qui est masculin. C-O-N-G-E. Accent aigu. S. Payer, adjectif. On doit le mettre au masculin et au pluriel. P-A-Y-E. Accent aigu. Ça, c'est la forme basique. Et on va rajouter le S pour le pluriel. P-A-Y-E, accent aigu, S. Allez, la dernière chose, et c'est encore 1936. L'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans.
l'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. N'oublions pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Alors Yossi, les 35 heures, c'était en 90 déjà, hein, en France. Hein. Allez, on regarde ensemble. L'école, c'est un substantif qui est féminin. Une école, on l'écrit E accent aigu, C-O-L-E, ça y a pas de problème. Le verbe devenir, devenir conjugué au présent, troisième personne du singulier, D-E-V-I-E-N-T. Obligatoire, ici, masculin ou féminin, c'est la même forme, O-B-L-I-G-A-T-O-I-R-E. Et puis jusqu'à, ça vous l'avez, 14 et en. Voilà, très bien, merci beaucoup. Très bien, trouvez un mot s'il vous plaît, trouvez un mot qui commence avec les lettres ET. Allez, j'attends vos mots. Alors, Yulia qui nous fait le plaisir d'être là. Coucou Yulia, on espère qu'elle va bien. Et qui nous dit étiquette, qui est un mot féminin, c'est très bien. Renato étonné, Omar éternel, Ange Gabriel une étincelle, Luciana étranger, Denora une étude, Yesero éteindre, Brahim le même que vous, éteindre. Très bien, Riena, chaque fois que tu joues ce bruit, le chien se réveille. Ah, je suis désolé. Riena, faites une caresse à votre chien. Il faut lui dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Je suis désolé. Il ne faut pas qu'il se réveille, le pauvre. J. Vincent, une étoile. Stardust, étourdisse ou étourdissant, peut-être. Annie, une étincelle. Très bien. Johanna, une étoile. Une étoile dans le ciel. Amla, éthéréal, c'est, ça c'est bizarre. Yossi, un étau. Ice Cubes, un étranger. Ensuite, Maria est tout simplement... Et ça, c'est très intelligent. Très intelligent, Maria. Court, mais efficace. Alberto, une étrangère. Rieda Faire, l'été. Effectivement, masculin. Juan qui nous dit l'ethnicité. Très bien. Hilary qui nous dit était imparfait. Troisième personne du singulier du verbe être. Amla qui nous dit un état d'esprit. Oui, je préfère. Olga qui nous dit une étagère. Romane qui nous dit une étiquette. Pas de S à la fin, s'il vous plaît. Moriaos qui nous dit un étranger. Très bien, féminin, une étrangère. Cosmina qui nous dit étanchéification. Vous faites de l'étanchéité. L'étanchéité, c'est capital. Hein. Surtout dans les pièces où il y a de l'eau,
il faut bien s'en occuper. L'étanchéité est fondamentale. Vouslat qui nous dit éluder. Victoria Jacques qui nous dit étincelant. Oh, mais que se passe-t-il, Victoria Jacques? C'est vendredi, c'est la fête. Alors, Kawadir qui nous dit une étudiante. Cheryline qui nous dit alors éthiopathogénie. Très bien. Et vous voyez, Cheryline, hein, même avec vos mots, eh ben je dors très bien. Je dors très bien quand même. Ensuite, Sonia qui nous dit bonjour, Sonia. On n'oublie pas de cliquer sur le like. Nous essayons d'arriver à 100. J'espère qu'on va y arriver quand même. Victoria, Thomas, étioler, très bien. Yeni, établir. Gaori qui nous dit être. D'accord, pas de problème. Johanna qui dit bonjour à Sonia. Hani qui nous dit une étape. Très bien, effectivement. Gloria, États-Unis. Sonia, can't speak French, but it's okay. Don't worry, Sonia. If you don't speak French at all, so you should join the lesson on Monday. On Monday, it will be in English and in French. Today, it's only in French, and tomorrow, it will be only in French, too. D'accord? So just come next week. On Monday and Thursday, it will be English and French. Ensuite, attendez, je regarde. Maria qui nous dit une étoile. Ensuite, ben je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Allez, vous connaissez l'exercice. Trouvez un mot. Et on commence bien sûr avec ça. Donc on en aura trois, bien sûr. Premier, c'est bi. S'il vous plaît, trouvez-moi un mot qui commence avec bi. Allez-y. Alors, attention, ça commence. Bicyclette, Anvi, donc du féminin, une bicyclette. Il y a aussi bipolaire, attention, en français, c'est bipolaire. Très bien, Benter qui nous dit un biberon. Denora, la bibliothèque. Annabelle qui nous dit des bijoux. Eh oui, c'est masculin. Un bijou, pluriel, des bijoux. Omar, binoculaire. Yann Arte, biologique. Mercury Allemagne, bicarbonate. Très bien, Yulia, bisous. Mais on n'écrit pas comme ça, bisous. Respectons un petit peu ce que l'Académie française nous dit. Alors, bisous, c'est masculin. Un bisou, comme ça. Alors, c'est qui nous dit des bises, hein, donc une bise. Romane qui nous dit bientôt, très bien. Bicot, bijouterie, une bijouterie. Juan, bilan, un bilan, très bien. Waikwok qui nous dit des bisous, très populaire. Hein. Les bisous sont populaires aujourd'hui. Que se passe-t-il avec les bisous? Il y a une chanson de Philippe Catherine qui s'appelle Des bisous, très amusante. Yesero, des bisous aussi. Sophia, bilingue, attention, c'est avec un i. Stardust, bimensuel, très bien, effectivement. Ice Cubes, bisexuel existe, oui, pas de problème. Faites attention, bisexuel, alors, 2LE, ou alors vous le mettez, alors mettez les deux L quand même. Hein. Hillary qui nous dit biologie, oui, la biologie. Cheryline, oh non. Bisphosphonate. Pourquoi pas? Est-ce que c'était possible, Cheryline, de trouver plus long? Plus long. À chaque fois, je stresse quand je vois les mots de Cheryline. Bibec, des bisous, très populaire. Oh, Laurent qui nous dit des bigoudis. Et j'en ai beaucoup en général parce que avec ma coiffure qui est très riche,
J'utilise beaucoup de bigoudis. Victoria Posse, une biche. White Walk, une bibliothèque. Paul, un bijou. Olga qui nous dit la Biélorussie. Cassandra, Bitcoin. C'est masculin. Kang qui nous dit bitter. Non, ça n'existe pas. Sophia X qui rit. Hazel qui dit il a beaucoup de bisous aujourd'hui. Oui. Beaucoup d'amour et beaucoup de bisous, c'est bizarre, pourquoi pas? Est-ce que c'est le début du printemps? On ne sait pas. Grace qui nous dit, pourriez-vous me donner un bisou? Mais que se passe-t-il? Calmons-nous, calmons-nous! Pouya, une banque, Yossi, la bigamie. Aïe, aïe, aïe. Poumina, Bilabial, très bien, Fatima, la bibliothèque. Allez, on passe au suivant. Merci. Allez, numéro 2, et on va voir ce que vous allez réussir à trouver. S'il vous plaît, trouvez un seul, pas plusieurs, un seul, ça suffit. Un seul mot qui commence par « ne », s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Bickert qui nous dit néoclassique. Oui. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Anvi 9. D'accord. Ice Cubes, Neptune. Oh, puis avec l'emoji ou l'icône qui va avec. Oh, je dis bravo. Bravo. Quelle maîtrise technologique. Omar, nerveux. Merco Yalman, 9. Yossi, neutre. Poumima. Naissance. Cherylin qui explique. Des médicaments qui préviennent la perte de densité osseuse. Oui, moi j'aurais bien aimé la perte de cheveux, Cherylin. La perte de cheveux, alors Fatima, Neptune, Pouya qui dit Normandie. Attention, Normandie, IE. Annabelle qui nous dit nettoyer. Oh, très bien. Et après, c'est très propre. Marcus qui nous dit ne t'inquiète pas. Oui. C'était un mot, Marcus. Hein. Denora nettoyée. Julia Néandertal. Eh oui. Eh oui. Olga neutre, attention. Poumima, né. Sophia X, Néandertal aussi. Roman n'empêche. Oui, c'est. Juan Népotisme. Cassandra, le nez. Eh ben oui. Hillary qui nous dit neutre. Victoria Posse, neveu. Oui. Féminin, nièce, hein, pour votre information. Olga, neutre. Benter, le nez. Poumima qui nous dit neveu aussi. Grace qui nous dit je ne suis pas bien aujourd'hui. Ça n'est pas grave. Tout va bien, Grace. Relaxons-nous. Yann qui nous dit négligé. Paul, nettoyé. Poumima qui nous dit neutraliser. Un seul mot, s'il vous plaît. Sinon, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Merci. Max qui nous dit bonjour du Brésil. Mais bonjour, Max. Cliquez sur le like, s'il vous plaît. Allez, numéro 3, s'il vous plaît, trouvez-moi un mot qui commence avec « ra ». Allez-y. Et voilà. Et alors là, je dois dire que Yann Arte, je dis bravo, merci beaucoup. Raclette, mais oui, la raclette. Oh, et si je mangeais de la raclette là aujourd'hui? Oui. Merci Yann Arte, je vais manger de la raclette grâce à vous. Vous m'avez fait penser à ça
et Nicolas adore la raclette. Ça va être formidable. Pouya randonnée, faites attention, A-N, oui, vous avez rajouté un O. Dénora, rarement. Omar, rapport, masculin. Sophia X, raciste. Alors raciste, féminin ou masculin, c'est la même forme, hein, mais c'est pas bien. Randonnée nous dit, White Walk nous dit raconter. Attention, pas de R, Mercurialman, ça va trop vite. Attendez, Mercurialman, raconter, très bien écrit. Paul, rappeler, ouais, un L. Faites attention, Paul, appeler, un L, rappeler, un L aussi. D'accord ? Yossi, rapprocher, très bien. Julia, ravissant, deux S. Ou est-ce que c'est ravissant ? Ça existe aussi, mais la signification n'est pas la même. Hein. Ravissant, deux S, c'est magnifique. H, Kim, ramène. Ouais. Oui, les Français n'utilisent pas trop, mais bon. Benter, radiologue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. Radiologue de Benter. Hillary, rarement. Victoria Posse, ravioli. Ouais. Ravioli, c'est féminin, pour votre information. Luciana Moribé, raison, féminin. Stardust, raconter, très bien. Ensuite, rajeunir, nous dit Vouslat. Ratatouille. Oh, Anvi, une ratatouille. Alors ça, c'est formidable. Une ratatouille et une raclette, pourquoi pas. Bibec rapide. Max rattrapage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Annabelle qui nous dit ramification. Fatima qui nous dit raffiné. Hazel qui nous dit ratatouille aussi. Yessero rarement. Bibec rangé. Hazel raison. Raison féminin. Cassandra ravissante. Très bien. Cheryline radio cristallographie. J'ai réussi. C'est toujours un test avec vous. Toujours un test. Vous me testez. Victoria Jacques, Ratafia. Marcus, ravi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Stella qui nous dit bonjour. Bonjour, Stella. Et Felipe qui nous dit rasé de près. Comme moi, regardez. Exactement comme moi. Merci. Alors, les films de Francis Weber, ce sont des classiques, d'une certaine façon, pas toujours de grande qualité, mais des comédies. Systématiquement des comédies, toujours de personnages, c'est toujours le concept de Francis Weber. Et donc là, c'est Jean Reno et Gérard Depardieu, tais-toi. Bon, c'est de la qualité discutable. Si vous aimez la comédie, les comédies de Francis Weber, regardez, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez éviter. C'est important. Voilà, Denise qui arrive pour le français du Québec. Alors bon, on va faire ça ensemble. Comme d'habitude, on en a 5. Yossi, même s'il y a beaucoup de place et la table est grande. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah, ça n'est pas une question de dimension de table. C'est une question de... Il n'y a aucune connexion entre la table et le coude. Jamais. En tout cas, c'est comme ça et c'est la règle. Le français du Québec, on attaque avec la première chose. Première chose, eh bien, comme d'habitude, nous allons écouter notre ami et vous allez écrire ce que vous entendez. Allez, on y va. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Allez, écrivez s'il vous plaît.
Alors voilà, effectivement, et c'est formidable parce que eh bien Denise est avec nous et donc Denise pourra nous confirmer si effectivement. Alors le déjeuner, Denise, est-ce que vous confirmez que c'est bien pour les Québécois le repas du matin? Parce que pour les Français, c'est le petit déjeuner. Est-ce que c'est effectivement, eh oui, Denise nous dit, c'est le matin. Donc, au Québec, apparemment, donc, le déjeuner, ce sera le matin. Pour les Français, c'est le petit déjeuner. D'accord? Donc là, pour l'instant, nous sommes, eh bien, d'accord là-dessus. On continue avec la deuxième chose. La deuxième chose, on écoute encore notre ami et vous écrivez ce que vous entendez. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Le dîner. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez ce que vous avez entendu. Alors, oui, hein, donc effectivement, le dîner. Alors, toujours la même chose. Hein, Denise, est-ce que nous sommes d'accord que, eh bien, au Québec, le dîner, c'est le repas du midi? C'est parce que pour les Français, le repas du midi, eh bien, c'est le déjeuner, justement. Donc, le matin en France, le petit déjeuner. Le déjeuner, c'est à midi. Et donc, au Québec, eh bien, le déjeuner, c'est le matin. Le dîner, c'est à midi. Donc un léger décalage. Et c'est ça qui est très sympathique, c'est les différences. Allez, on attaque avec eh bien, la troisième chose. La troisième chose, on y va. On peut imaginer hein, qu'on va rester sur le même thème. On y va. Le souper. Le souper. Le souper. Le souper. Le souper. Le souper. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble. Et donc, eh ben voilà, ça c'était la troisième possibilité. Hein, c'était le souper. Et le souper, donc c'est le repas du soir. Le souper. Alors faites attention puisque donc nous sommes d'accord que pour les Québécois, le matin c'est le déjeuner. Ensuite, à midi, c'est le dîner. Et le soir, c'est le c'est le souper, pardon. Pour les Français, le matin, ce sera le petit déjeuner. À midi, ce sera le déjeuner. Et le soir, ce sera le dîner. Quand les Français utilisent souper, en général, c'est traditionnellement, on imagine que c'était après un spectacle, très très tard dans la nuit. Et en général, le souper, eh bien, c'est une soupe. C'est quand même un petit peu l'origine. Le souper, quand on va prendre une soupe. J'aime beaucoup les soupes. Hein. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Voilà, on continue avec... Attendez, je dois cliquer. Voilà, c'est parti. Et là, c'est une expression. Donc, écoutez bien. L'expression, parce que ça, c'est assez intéressant. On y va. J'en ai en masse. 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 Allez-y, s'il vous plaît.
C'est vrai, Denise, je n'avais pas pensé à ça. Alors, le petit déjeuner, c'est une. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est, Denise? Là, c'est pas clair. Allez, on regarde ça ensemble. Et bien sûr, Denise va nous confirmer si c'est correct ou pas, parce qu'on a envie d'être sûr. Donc, j'en ai en masse. Masse, hein, donc Masse. Et donc, ça veut dire j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, j'en ai en masse. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup, Denise, cette expression? Est-ce que c'est du québécois familier? Est-ce que c'est quel registre exactement? Ce serait gentil si vous pouviez nous dire exactement à quel niveau de langue ça se situe. Merci beaucoup. Mais donc ici, l'expression, c'était j'en ai en masse. Vous êtes bizarre. Ah, mais les Français sont bizarres. Alors là, Ah, mais non, mais je n'ai jamais dit que on n'était plus logique. On n'est pas plus logique, pas du tout. On n'a jamais dit ça. Mais donc, Denis, si vous pouvez nous dire si j'en ai en masse, quel niveau de langue, ce serait très gentil, merci. Allez, on y va, on y va. Cosmina qui nous dit j'en ai en masse, j'en ai à l'appel. Oui. Ah, donc c'est familier quand même un petit peu, hein. Donc c'est un petit peu comme Cosmina nous dit j'en ai à l'appel. Là aussi c'est familier. Donc on ne l'utilise pas dans toutes les situations avec tout le monde. Donc j'imagine qu'on dira j'en ai beaucoup. Allez, on continue avec cette dernière chose. Bah, écoutez, ça va être intéressant là aussi. On y va, on y va. J'en ai un char. 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 Allez-y, s'il vous plaît, écrivez. Alors, Denise qui dit, oh, pourquoi? Ah, il faut expliquer. Moi, on m'a pas dit. Alors, ici, l'expression, c'est j'en ai un char. Alors, effectivement, moi, j'avais aussi entendu chat au début, mais j'ai entendu le r légèrement. J'en ai un char. J'en ai un char. Et donc, ça voudrait dire j'en ai beaucoup. Alors, Denise, Est-ce que vous confirmez? Pourquoi vous avez dit oh? Ça fait peur. J'en ai un char. Et Cosmina nous dit j'en ai des tonnes. Et oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, c'est quand même très très lourd. Donc j'en ai un char, j'en ai des tonnes. Donc c'est probablement là encore une expression un peu familière. Mais donc, moi j'avais trouvé très sympathique l'intonation. J'adore en général l'intonation québécoise, je trouve qu'elle est formidable. Écoutons un petit peu cette intonation qui vibre comme ça, regardez. J'en ai un char. Ça monte légèrement, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Juste pour le plaisir, écoutez bien, j'en ai un char. J'en ai un char. Ça monte, c'est magnifique, c'est délicieux. Merci beaucoup. Voilà, vous allez devenir des spécialistes du français du Québec. Allez, on continue si vous voulez bien.
Eh oui, Sherilyn. Sherilyn a la même réaction. Sherilyn, she's got the same reaction because we remember this beautiful cat that Olga sent as a picture with the beautiful. He was nicely dressed, this cat. Hein? Mais non, non, c'est pas un divorce avec le chat. Non. Ok, le groupe du jour, and it's still Daft Punk, and so we'll continue, and I guess that now it will start to be extremely simple to write everything that they say. Allez, on y va, attention, attention, c'est parti. Parce qu'on n'imaginait pas que... 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 Allez-y. Please write the things and then the trompettes are just for Gloria. Hop! Stardust. Ah, the sound is back. Yoo-hoo, Stardust. We'll have some trumpet because Gloria said that she liked that, so I'm just keeping the track for this exercise. We'll have the trumpet. Alors, regardez. This one was a bit tricky, I guess, and I saw that you were not really sure whether to go for the present. On n'imagine pas. Whether to go for the passé composé. But then it would be a bit strange because it would be on n'a pas imaginé. So, and in fact, if we listen carefully, listen one more time. Parce qu'on n'imaginait pas que... Voilà. In fact, he's going for this imparfait again. On n'imaginait pas. If he, well, with the present, it would be parce qu'on imagine pas. Parce qu'on n'imagine pas. Once again, passé composé is not really an option because it would be parce qu'on n'a pas imaginé. So the structure would be different and it's difficult to mix them because structure is clearly different. So now we could hesitate between présent and imparfait. D'accord? Présent parce qu'on n'imagine pas. Imparfait parce qu'on n'imaginait pas. So try to concentrate on that. Just for this, I will make it roll a bit. Try to concentrate on hearing the difference because this is actually quite interesting. Imagine and what he pronounced, imaginez. I would like you to be sure to hear it. This is the main point. On y va. Parce qu'on n'imaginait pas que... Parce qu'on n'imaginait pas que... Parce qu'on n'imaginait pas que... Voilà. I hope you can feel it. Hein. On n'imaginait pas. Once again, present would be on imagine. On n'imagine pas. Voilà. So it was the only tricky thing in that case. Parce qu'on n'imaginait pas que... Parce qu'on n'imaginait pas que... Voilà. Allez, on continue. On continue avec le numéro... Deux. Numéro 2, same thing here, try to catch everything. Puis là, il se passe un truc incroyable. 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 Puis là, il se passe un truc incroyable.
puis là, il se passe un truc incroyable. Okay, if it's a bit different, it's because we're hearing the second robot now. You're happy, I'm okay. I just need to remember to press on the pause just to make sure that we can have the trumpets for you. Don't worry about that. Alors, look at the thing. Puis là, il se passe un truc incroyable. So as I told you, it's the second member of the band, so of course it's slightly different. The voice is slightly different, but still it's, I think, quite clear. Let's go for it. Puis là, il se passe un truc incroyable. So once again, he's going fast. Puis là, il se passe un truc incroyable. Let's listen to him. Puis là, il se passe un truc incroyable. Voilà. So remember, hein, il se passe. Well, the il becomes i. Se, it's the same, but then it's shorter. Il se passe. D'accord? Il se passe becomes il se passe un truc incroyable. Puis là, what is going on? I don't know. We got some strange noise. Puis là, il se passe un truc incroyable. Let's listen to it. Puis là, il se passe un truc incroyable. 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 Voilà. Puis là, il se passe un truc incroyable. Saloni, pourquoi se passe? Because the verb is se passer, to happen. Hein, ça se passe quelque part. Il se passe un truc incroyable. Allez, let's go for the next one. Numéro 3. It's a strange day today. It is definitely a strange day. Attention. Mais qui est vraiment une bonne énergie. 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 Alors, Reed is asking, un truc, c'est une chose, quelque chose, un truc. Alors, mais qui est vraiment une bonne énergie. So you've been catching it quite well, in fact. So it means that you are clearly getting used to these two persons. Let's listen to it. Mais qui est vraiment une bonne énergie. Mais qui est vraiment une bonne énergie.
mais qui est vraiment une bonne énergie. There is not a lot of things to say because in fact I think that of course it goes fast but it's quite clear especially if you read and listen to it at the same time now. Mais qui est vraiment une bonne énergie. 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 D'accord. And in fact, you've been catching it. Well, in some cases, you've been, well, forgetting the fact that energy, it was feminine, so une bonne énergie. But it's not really a problem. As long as you had the idea of the fact that it was bon, I mean, the adjective, well, it should have been bonne and énergie. So it's really good, in fact. Allez, on y va avec le numéro 4. Le numéro 4, it will be a bit longer, so be careful, don't be stressed. I will make it roll several times. Il faut à un moment arriver à passer les obstacles. Il faut à un moment arriver à passer les obstacles. Allez-y. Alors, regardons. And this one was a bit more tricky, in fact. And I need to check one thing, because I'm not sure if I've been putting one A too much. Oh. Il faut à un moment arriver à passer les obstacles. No, it's okay. Il faut à un moment arriver à passer les obstacles. All right, so from what I see, well, in most of the cases, you've been catching the moment, but it's true that it's tricky because some of you thought that it was maman, and it's true that it is really close, d'accord? But in that case, it was moment and not maman, and we should always respect our maman. And each time we can write her name, it's true, we should do it, but not now. So, un moment. So, look, il faut à un moment arriver à passer les obstacles. So, the beginning say, I mean, it's not a structure and then he decides to go in another direction, which is totally, I mean, classical. C'est il faut un moment arriver à passer les obstacles. So let's listen to him one more time. Il faut un moment arriver à passer les obstacles. So once again, I told you previously, il becomes i. So it's not.